moving in our midst. Our world. Amen. Et nous allons prendre notre Bible rapidement. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 16. Je tenais à rappeler que nous sommes en train de poursuivre le thème du mois d'octobre. Quelqu'un me dit amen. Et qui peut me donner le thème de ce mois? Qui peut me donner le thème de ce mois? C'est n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas l'essentiel. Amen. 2 Samuel chapitre 16, à partir du verset 1er, je veux qu'on écoute ce passage attentivement, s'il vous plaît. C'est bon, tout le monde a trouvé. Il ne faut pas aller chercher le livre de Samuel dans le Nouveau Testament. Que Dieu te pardonne. Quelqu'un a dit amen. D'autres sont en train de chercher Samuel. Il rentre dans le Nouveau Testament, Ancien Testament. Amen. Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. Amen. Nous avons un Samuel, mais aujourd'hui, nous allons parler de 2 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 1er. Allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? Allons-y. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Siba, serviteur de Mephibosheth. Écoute très bien. Vint au-devant de lui avec deux ânes battés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Siba. Le roi dit à Siba. Que veux-tu faire de cela? Que veux-tu faire de cela? Et Siba répondit. Siba répondit. Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Continue. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens. Continue. Et le vin pour désaltérer. Le vin pour désaltérer. Ceux qui seront fatigués. Ceux qui seront fatigués. Dans le désert. Dans le désert. Le roi dit. Le roi dit. Où est le fils de ton maître? Où est qui? Le fils de ton maître. Où est qui? Le fils de ton maître. Qui pose cette question? David. Allons-y. Et Siba répondit au Siba roi. Répondit au roi. Voici. Voici. Il est resté à Jérusalem. Il est resté à Jérusalem. Car il a dit. Car il a dit. Aujourd'hui. Aujourd'hui. La maison d'Israël. La maison d'Israël. Me rendra le royaume de mon me père. Me rendra le royaume de mon père. Allons-y. Le roi dit à Siba. Le roi dit à Siba. Voici. Voici. Tout ce qui appartient à Mephibosheth. Tout ce qui appartient à Mephibosheth. Est à toi. Est à toi. Et Siba dit. Et Siba dit. Je me prosterne. Je me prosterne. Que je trouve grâce à tes que yeux. Que je trouve grâce à tes yeux. Ô roi, mon Ô Seigneur. Ô roi, oui. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Continue. Et voici. Et voici. Il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül. Oui. Nommé Shimei. Continue. Fils de Guéra. Continue. Il s'avança en prononçant des malédictions. Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. À tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Continue. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Continue. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül. Wow. Dont tu occupais le trône. Continue. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom. Continue. Ton fils. Ton fils. Et te voilà malheureux. Et te voilà malheureux. Comme tu le mérites. Comme tu le mérites. Car tu es un homme de sang. Car tu es un homme de sang. Allons-y. Alors Abikaï, fils de Seruja. Continue. Dit au roi. Continue. Pourquoi ce chien? Pourquoi ce chien? Moi, maudit-il, oui. Le roi, mon Seigneur. Continue. Laisse-moi, je te prie. Allez lui couper la tête. Mais le roi dit. Le roi dit. Qu'ai-je à faire avec vous? Continue. Fils de Seruja. Continue. S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit. S'il fait quoi? S'il maudit. Je veux qu'on répète ensemble. S'il fait quoi? S'il maudit. C'est que l'Éternel lui a dit. Continue. Maudit David. Continue. Qui donc lui dira? Pourquoi agis-tu ainsi? Continue. Et David dit à Abikaï et à tous ses serviteurs. Continue. Voici. Voici. Mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. En veut à ma vie.
À plus forte raison. À plus forte raison. Ce Benjamin. Ce Benjamin. Laissez-le. Laissez-le. Et qu'il maudisse. Continue. Car l'Éternel le lui a dit. Oui. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction. Wow. Et me fera-t-il du bien. Wow. En retour des malédictions d'aujourd'hui. Continue. David et ses gens continuaient leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne, près de David. Et en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui. Il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivaient à Ajéphim. Amen. Je veux bénir ta parole, Seigneur. Permets que mon moi soit effacé, afin que toi, Dieu, tu sois vu. Que je diminue, que tu augmentes au travers de moi. Je ne sais pas parler, mettre des paroles dans ma bouche. Car le peuple n'est pas venu voir un homme, mais ils sont venus voir Dieu au travers d'un homme. Parle car nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Je veux que tu acclames Dieu plus fort. I want you to clap the Lord. Acclame ton Dieu, s'il te plaît. Clap the Lord. Je veux que tu touches ton voisin. Touch your neighbor. Touche comme ça ton voisin. Like that, et dis à ton voisin, n'oublie pas l'essentiel. Don't forget the essential. Mais le thème d'aujourd'hui, the theme today, ce que je dois bannir en mon cœur pour ne pas oublier l'essentiel. For me not to forget the touche quelqu'un, dis-lui ce que je dois bannir what en I mon cœur. Cast away from my heart. Vous savez, c'est you know, ces petits points all those aujourd'hui qui nous retardent dans la bénédiction. It delay you in your blessing. Ce n'est pas le jeûne qui va t'élever. It's not the fasting that will raise you up. Ce n'est pas la prière qui va t'élever. It's not the prayer that will make ce n'est pas la méditation de la parole de It's Dieu qui va t'élever. Ce n'est pas la prophétie qu'on annonce sur ta vie qui va t'élever. Mais c'est la transformation de ton cœur et la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est elle qui te bénira. That will bless you. Je parle à quelqu'un. Amen. Certains ici prient. Some people pray. C'est un jeûne. Some fast. Mais il n'arrive pas à évoluer. Mais pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses dans votre cœur. Pourtant, quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas à cause de la prière que tu lui as adressée. Mais Dieu te bénit à cause de l'état de ton cœur. Donc ce matin, je suis venu débarrasser de ton cœur tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est ingratitude, tout ce qui est péché, tout ce qui est colère, tout ce qui est vengeance, tout ce qui est haine. Quelqu'un m'a pas dit amen, je vais commencer à chauffer ce matin. La Bible dit ceci. The Bible says, regardez l'histoire encore de Mephibosheth. Look at the story. On avait prêché la face A de Mephibosheth. Aujourd'hui, je vais vous parler de la face B. Today I talk about the B. Regardez Mephibosheth. Mephibosheth. David l'a pris à un moment donné de sa vie. David took him. Où on devait le tuer. Where they're supposed to kill David him. L'a pris, il l'a protégé. He took the protector. David l'a gardé. David lui a donné de quoi manger. He gave him food to eat. David lui a donné l'héritage de ses pères. David dit que Mephibosheth mangeait à la table des rois. Table oh, il y avait une loi qui disait the law was les estropiés, les boiteux ne devaient pas avoir accès au palais royal. Mais Mephibosheth, lui, Mephibosheth, je vous rappelle, I remember Mephibosheth you. Signifie me, celui dont ses paroles sont accompagnées des reproches. Ça veut dire lui, là, dans sa vie, là, tout ce qu'il dit, là, il y a toujours reproche dedans. Ça, c'est l'homme qui se voit parfait. Je vous rappelle que MFI n'est pas une assemblée de parfaits. MFI est une assemblée de saints. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Nous sommes saints par le sacrifice de Jésus à la croix qui nous a rachetés. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Mais l'Écriture explique ceci. Mephibosheth a eu la grâce God the grace d'entrer dans le palais. To go to the palace. Il dormait avec David. With David. Il faisait tout avec David. Sachant que Mephibosheth était une personne qui n'aimait pas se laver. He doesn't like to bath. Imagine son odeur à la table. Imagine his odor on et quelqu'un table. Qui ne se lave pas. Somebody who doesn't bath. Chez nous, en langage ivoirien, on dit Jack Abri. Pour dire quelqu'un, Jack Abri. Tout ce que vous lui dites, Jack Abri. Tu vois l'odeur, non? Odeur de cabri. À des milliers de kilomètres. Toi-même, tu sais que c'est un chef qui est en train de passer quelque part. Il y a quelqu'un qui n'aime pas se laver. Et lui, il a accès à la table du roi. Ce n'est pas une grâce. Il mangeait avec David. Il faisait tout avec David. Dans le cortège de David, Mephibosheth était compté. Mais un jour, la Bible dit, l'Éternel va livrer le royaume de David entre les mains de ses ennemis. Qui s'est levé contre lui? Absalom, son propre fils, qui l'a mis au monde. Absalom a été monté Absalom par son meilleur conseiller qui s'appelle Achitophel. Achitophel qui a dit à Absalom, toi, you, tu peux diriger ce royaume you can lead this kingdom mieux que ton propre père. Je vous dis quelque chose. I want to tell you, ce n'est pas la volonté qui t'amène à diriger un royaume. It's not the will that leads si Dieu ne t'a pas appelé if God didn't call you à être roi, to become king, quel que soit tes moyens, it doesn't matter tu seras roi mais tu vas échouer. You become a king, but you fail. Parce que devenir roi, king, ce n'est pas une volonté. It's not a will. C'est un choix. It's a choice. C'est une sélection. It's a selection. C'est un appel. It's a calling. Et c'est Dieu qui choisit. God is c'est Dieu qui établit. God who establish.
diriger, leading, être chef, become king. C'est une faveur. It's a favor, a divine favor. Si Dieu ne t'a pas choisi, même si tu as des moyens, if you have tu vas beau faire, mais tu ne peux pas t'en sortir. You cannot make it. Mais l'Écriture explique ceci. The scripture explains. Absalom se lève contre son propre père. Et David va fuir. David ran away. Pour quitter le royaume. Leave a kingdom. Mais pourquoi David n'a pas résisté? Why didn't resist? David avait des soldats. We have a soldier. David avait des moyens. We have a means. David pouvait s'accrocher au pouvoir. Mais David a mis quelque chose dans sa pensée. Ce que Dieu t'a donné, les gens peuvent se lever, mais ils ne pourront jamais détruire ce que Dieu t'a donné. Ils peuvent secouer, ils peuvent s'agiter, mais quand Dieu a béni, il a béni. Quand Dieu a établi, il a établi. Quand Dieu a élevé, il a élevé. Voilà pourquoi il y a des combats que tu ne dois pas faire. Celui qui veut prendre ta place, laisse-le prendre ta place. Mais un jour arrivera où toi-même ta propre place va te réclamer et l'Éternel viendra te positionner, l'Éternel viendra t'élever. L'Écriture explique ceci. Absalom va prendre le palais, il prend le royaume, il prend le pays, il commence à régner. Il began to reign. Pendant son règne, il y a un de ses serviteurs qui s'appelle Siba. Un des serviteurs de David. Qui avait pris de la nourriture. Took a food, et qui était en train de suivre David. We're following David. Et David lui pose la question. David asked him, mais Siba, Siba, où vas-tu avec la nourriture? Where are you going with et food? Siba répondit. Siba answered, mais dans le désert, roi. The wood quand nous allons marcher, when you go there, la nourriture va nous servir. The food will help us. L'Écriture dit ceci. The scripture said, David dit, mais David said, où est Mephibosheth? Where is Mephibosheth? Où est Mephibosheth? Where is Mephibosheth? Le fils de ton serviteur. The son of your servant. Où est Mephibosheth? Where is Mephibosheth? Et Siba répond à David. And Siba answered. Il dit, Mephibosheth dit. Mephibosheth said. Lui il est à Jérusalem. He's in Jerusalem. Et le temps pour lui est arrivé de régner. It's time for me to take over. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? You understand what I'm saying? Vous comprenez ce que j'ai dit? You understand what I'm saying? Quelqu'un qui t'a pris. Somebody who took you. Où on devait te tuer. Where they're supposed to kill you. Où on devait t'assassiner. Where they're supposed to kill où you. On devait t'enterrer. Where they're supposed to bury you. Qui t'a pris. Took you. Qui t'a donné une place élevée. He gave you a place. Et qui a changé ton histoire. He changed your story. Cette personne aujourd'hui est en train de tomber. That person is et cette personne a besoin de toi. He need you. Et toi tu trouves bon de dire. And you say that. C'est maintenant mon tour. It's time now my de régner. To reign. Israël. Israel doit me donner le royaume. I have to give me a kingdom de mes pères. Of my fathers. Je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. D'où est sorti ce thème? What is the theme? Ce que je dois bannir en mon cœur. What I have to come out pour ne pas oublier l'essentiel. For me not to forget. Est-ce que vous savez pourquoi Mephibosheth a dit ça à David? Do you know why Mephibosheth said this one? Ce qui a mené. What bring him? Mephibosheth a dit ça à David. To say to David. La première des choses. The first thing. C'est l'ingratitude. Is ungratefulness. Souvent on vient à l'église. Sometimes you come to church. On oublie quelque chose dans nos cœurs. You forget something in your heart. Il y a beaucoup de chrétiens. There are many Christians qui sont ingrats. Who are ungrateful. Tu jeûnes. You fast. Tu pries. You pray. Faut avoir toutes sortes d'hommes de Dieu qui vont te consacrer. Have any kind of men. Ils ont quand même versé tout sol d'huile sur any toi. Any kind of oil pour de tous nos sols. Any huile d'olive. Oil huile de papaye. Or any kind huile of de oil. Tout. Any kind of oil. C'est pas l'huile qui est versée qui it's te rend grand. Oil that mais c'est l'état de ton cœur qui amène l'huile à devenir grand sur ta tête. Come great. L'ingratitude aujourd'hui en train de détruire certains chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont ingrats. There are many Christians who are ungrateful. L'ingratitude c'est le manque de reconnaissance. The lack of il y a plusieurs qui ne sont pas reconnaissants. Some people are not, they don't si vous savez qu'il y a des gens à qui tu fais du bien, you do good to them. Même merci, ils ne connaissent pas. Even thanks, they don't know. C'est comme si toi tu étais obligé de lui faire. Like you are obliged to say. Moi je connais quelqu'un que j'ai aidé un jour. He is somebody I help one day. Je l'ai beaucoup soutenu. I supported him. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour lui? What did I didn't do? Un matin, one morning, j'entends, il raconte aux gens. I hear that. Oh, tout ce qu'ils vont à faire là. Whatever ils vont dit. C'est pas Yvon qui a fait. It's not Yvon who did it. C'est Dieu qui a fait ça it's dans ma God vie. God who did it. Un grand que tu sois. And great toi, tu as vu Dieu où qui a fait where ça pour did toi? Where you see God to do it for you? Écoutez, listen. Dieu ne descend pas du ciel pour God agir dans votre vie. Come down to move. Dieu sélectionne une personne. Select a person. Et c'est cette personne qui vient te bénir. C'est cette you. Personne qui vient t'aider. C'est cette personne you. Qui vient changer ta vie. Change your life. Et les personnes qui sont ingrates là, c'est pour ça que ces personnes réfléchissent. That's the way they think. Oh, moi c'est Dieu qui a fait. It's God who toi, tu connais Dieu où? Where do you know God? Est-ce que c'est Dieu qui a enlevé l'argent dans sa poche pour te donner? It's God who put money from his pocket to give it to you. L'ingratitude. Ungratefulness. Faisons très attention. Be careful. L'un des plus grands dangers dans nos vies. What are the great dangers in our lives? L'ingratitude. Be ungrateful. Il y a des personnes qui ne savent pas dire merci. They don't know how to say thanks. Le merci là, ce n'est pas pour une éducation. Thanks you is not the time of part of education. C'est une reconnaissance. It's a gratefulness. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Some people they don't know it.
On te donne quelque chose, même merci, tu connais pas. Thanks, you don't know et tu es une personne qui est ingrate. You are ungrateful person. Oh, la Bible dit celui qui est fidèle dans les petites the choses. The one who faithful in little things. Tu le rendras fidèle dans les God grandes choses. God will make him faithful in the great things. Maintenant toi, you. Une petite chose, tu Even n'es pas fidèle. Thing, you are not Mais c'est quand Dieu va te rendre fidèle. Why God will make when God will make you faithful. Petite chose, tu n'es little pas fidèle. You are not faithful. Mais la grande chose là, Dieu lui met un fidèle comment? How can he make you faithful? Dieu sait. God knows. Il est plus facile d'être fidèle It's dans les petites choses. To become faithful. Maintenant dans les grandes choses, ce n'est thing. Pas toi qui dois être fidèle. C'est lui Dieu qui faithful. Soumet ton cœur à la fidélité. To become faithful. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? Touche ton voisin, faut dire l'ingratitude doit quitter mon cœur. Ungratefulness I have to leave my heart. Dieu encore dit l'ingratitude doit quitter mon cœur. Ungrateful I have to leave my heart. Dieu encore l'ingratitude doit quitter mon cœur. Ungrateful I have to leave my heart. J'ai prié pour une jeune dame. Après pour ici woman, à Paris. Here in Paris. Que sa propre soeur a emmenée. Sa propre soeur l'a hébergée. Logging. Sa propre soeur a fait tout pour elle. Elle est everything. Devenue quelqu'un dans la vie. She became somebody in life. Écoutez bien ce que je vais Listen, vous dire. Cette you. Fille à son mariage. Marriage, parce qu'elle a eu des issues avec sa soeur. Because she got problem elle with n'a même sister. Pas appelé sa soeur. She didn't call her sister. Il est vrai qu'on a fait des histoires. It's true that we have problems. Mais le moment de joie n'a pas the fait histoire avec joy, nous. We didn't get a problem. Amen. Je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. L'ingratitude. Ungratefulness. Dans l'église. In the church. C'est dangereux. It's dangerous. Il y a d'autres même fidèles. Some people. Le pasteur prie pour lui. The pastor le pasteur jeûne pour lui. Pastor le pasteur fait tout pour lui. Pastor did everything. Attends, il va avoir boulot si tu vas le voir. Allow him to get work if you see him again. Mais il y a longtemps, il est parti. He's gone. C'est un des problèmes même de stérilité. Some people have le pasteur jeûne pour toi. Pass off, pass il prie pour toi. Pray il fait tout. Them. Dès que tu enfantes. When you give birth. Petite histoire. Tu es déjà parti. You are gone. Mais hier. And yesterday. On a rigolé. We laughed. Et hier. And yesterday. On a dansé. We danced. Et hier. And yesterday. On n'a pas prié pour toi. Tu as oublié ce qui est essentiel. What is essential? L'ingratitude. Ungratefulness. Et Mephibosheth. Et Mephibosheth. Était ingrat. He was ungrateful. Parce que ce que David a fait pour What lui, David did il pouvait him. Se souvenir de he ça. Remember. Les meilleurs amis là, the best friends, c'est pas ceux qui sont avec nous quand tout va bien. Not those who are with you when everything c'est que well. C'est difficile. When it's hard, quand ça ne va pas, when it's not well, il te montre qu'il est avec toi. Show that he's with you. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'il est ton meilleur ami, if somebody said that he's your best friend, quand tout va bien chez when toi, everything is well, fais attention. Be careful. Le jour où ça ne va pas chez toi. The day is not well. S'il est en côté de toi. If he's near c'est qu'il t'a réellement aimé. He truly mais he celui, loves you. The one. Quand ça va chez toi. When it's et well, que ça ne va pas chez toi, you. Il part. Tu sais c'est qui? Do you know c'est quelqu'un qui est avec toi. Somebody pas pour ce you. Que tu es. For not who you il are. Est avec toi pour he's ce que tu you as. For what you oh, are. En réalité, reality, ce que tu as peut disparaître. Mais ce que tu es ne peut pas disparaître. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Dieu ne nous aime pas pour ce que nous avons. Dieu nous aime pour ce que nous sommes. La Bible dit, il nous a aimés depuis la fondation de ce monde. J'ai prié pour ta vie. Que Dieu te débarrasse de tous ceux qui sont ingrats. Suis ton chemin. Hier quand ça allait chez toi, yesterday, qui ne venait pas prendre adresse chez who toi? Are not coming to take address by your home. Il dort à Poissy, mais son he adresse là c'est à Paris. He's in Paris. Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait pour lui? What didn't you do for him? Dis à quelqu'un, faisons attention. You have to be careful. Dis à ton voisin, faut dire faisons attention. Neighbor, you have to be careful. L'ingratitude dans notre vie, ungratefulness ça nous retarde beaucoup. C'est pourquoi toi-même faut regarder ta vie. Look at your life. Pourquoi tu n'avances pas? Where you are est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a aidé? Is he not somebody who helped you? Aujourd'hui ça ne va pas chez and lui. Today, tu lui as fermé les portes. You have to close door to him. Il y a des choses qu'il faut oublier. There are things you have to forget. Je parle à quelqu'un. I'm not talking to même si ton père y a aidé des personnes. Even your father et qu'aujourd'hui ton père n'est plus. And your father is not alive. C'est vrai, ça ne va pas chez toi. When it's not well. Mais il faut penser à ce qui est utile. Thank God about you. Ton père peut tomber. Your father can. Mais il y a un père qui ne tombe pas. Your father. Lui qui est éternel. Il est invisible. Mais il est visible par ses œuvres. Il est visible par son amour. Il est visible par sa miséricorde. Je parle de l'éternel. I'm talking about the Lord. Mephibosheth. Mephibosheth. Il dit c'est mon tour moi là it's my turn de régner. Ça veut dire que dans ta gloire il y a des gens souvent qui it's sont à côté glory, de toi. Some people are tu leur fais du bien. You are doing good mais ils n'acceptent pas ton élévation. They are not accepting your raising. Ils n'acceptent pas où Dieu t'a mis. They are not accepting mais je prophétise qu'ils soient dévoilés avant la fin de l'année. Ceux qui conspirent le mal contre toi. Ceux qui ont partagé ton pain. Ceux qui ont partagé ta nourriture. Je déclare que le max tombe et qu'ils soient dévoilés au nom de Jesus. C'est ça la plus grande sorcellerie. Yes, great witchcraft. La personne se bat pour te faire du bien. The person toi, tu pries pour qu'il tombe. Vous savez qu'il Mephibosheth en réalité là. Il était auprès de David, David. Il attendait you were expecting un petit moment, a little moment où David va tomber. Where David il fall tombe down.
so that lui va se positionner. Mais ce qu'ils ne savent pas, well, didn't know. Le fauteuil là, the ce n'est pas vide. C'est un propriétaire. J'ai dit que tu es le propriétaire de ton élévation. Tu es le propriétaire de ta percée. Tu es le propriétaire de ta réussite. Mais le secret que je vais te donner ce matin, bannis l'ingratitude de ton cœur. Je parle à quelqu'un. Deuxième chose, la méchanceté. Il y a des personnes méchantes. There are people who are wicked. Wicked. Il te bêche, tu es dans sa maison, tu ne peux pas dormir. He log you, you are in his house, you cannot sleep. Je parle à quelqu'un. I'm not talking to somebody. Quelqu'un a dit amen plus fort. Amen. Tu es dans sa maison là. You are in his house. Il surveille l'eau même quand tu te laves. Even the water, he watch it when you are bathing. C'est, je sais de quoi yes, il parle. I know what I'm talking pendant about. Pendant que tu te laves là. As you are bathing. Lui il est là, il regarde. He look at it, what's work time. Hey, est-ce que Dieu contrôle? Can they le souffle de vie que toi tu as. The life you are. Est-ce que Dieu contrôle ça? God control. Est-ce que toi tu peux payer la facture du souffle de vie can que tu as? Can you pay the bill of our the brief? Tu n'as ni dans la douche hour. Que tu as sorti. Come out. Éteins la lumière. Close, switch off the light. La lumière est toi allumée. Pourtant même dans sa chambre il y a lumière. Mira is in no room where the light. Mais parce qu'on t'a hébergé, il faut qu'on te montre que tu es hébergé. They have to show you that quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Mais je prie Dieu, il y a un temps pour tout sur les cieux. Everything. Il y a un temps pour être humilié. Il y a un temps pour être rabaissé. Mais tu ne resteras pas dans cette situation. J'ai dit à quelqu'un, tu ne resteras pas dans cette situation. J'ai dit à quelqu'un, tu ne resteras pas dans cette situation. La méchanceté. The wickedness. Et ces personnes méchantes là, ils sont souvent à la recherche des prophètes. They are looking for prophets. Regarde ma vie. Look at my life. Est-ce que ma mère n'est pas sorcière? Is he my mother not witch? Regarde ma vie. Est-ce que mon papa n'est pas sorcier? Is he not my father a wizard? Dès que le prophète par manque de sagesse, without lack il te dit que ta mère est sorcière. When say the, ton père est sorcier. Your mother is witch, a wizard. Tu coupes tout avec eux. You cut off all of them. Même l'argent. Even money. Pour amener pour qu'elle paye huile. So that you can buy oil. Tu n'es pas prêt pour amener. You are not ready to send. Parce que pour toi, for you, on dit ta mère est sorcière. Your mother is ton a witch, père est sorcier. And your father is attention. A wizard. C'est de la méchanceté. They become wicked. Qui t'a dit que quand ton père est sorcier, il ne faut pas l'aider? Who told you that your father is weak, wizard, you cannot help? La Bible dit, enfants, obéissez à vos say parents. Children, obey pour que vos jours se prolongent so sur la terre. To be long. La sorcellerie n'est pas physique. Witchcraft is not elle est spirituelle. Spiritual. Même si tu coupes tout, if you cut tu l'aides plus financièrement. Si elle veut t'atteindre, elle va t'atteindre. If you want to reach you, she will reach you. Mais il est préférable pour toi de faire le bien. To do good. Même quand quelqu'un te fait le mal, even toi fais le bien. Evil. Et c'est le bien que tu feras qui va te protéger. Quand la personne se lève, là qui va poser, va retourner contre la propre personne elle-même. En réalité, nous sommes des pécheurs. We are sinners. Mais Dieu se souvient toujours de God nous. Remember il nous garde. Il nous conserve la vie. Il nous protège. He protect us. Il y a des personnes qui sont très, j'ai dit, mais très méchantes. Some people are wicked. Et tu as les moyens pour aider tes parents. You are meant to help tu n'es your pas relative, prêt. But you are not ready. C'est des personnes comme ça. Those people je like veux être le seul ici en France. I want to be alone in France. Quand j'appelle comme ça, when I call like tout that, le monde doit savoir que c'est moi celui-ci. Everybody know that I'm alone here is here. Vanité de vanité. Vanity of vanity. Tout est vanité. Everything is vanity. Quand tu es en France là, when you are here, tu vas pas mourir. Are you not going to die? Il y a des personnes méchantes. Et qui ne partagent même pas le pain qu'ils ont. But don't share the bread you have. Et tu peux aider même les gens dans l'église pour avoir du boulot. You can help people in the church to have church. Et tu as le secret pour ça. You have a secret. Mais tu n'es pas prêt à aider ton voisin. You are not ready to help your neighbor. Et toi tu dis que tu aimes Dieu. And you say you love mais God. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Et celui que tu vois tu ne l'aimes pas. See, ce n'est pas de l'amour. It's not. Aimer Dieu. Love God. C'est pas qu'on s'approche, on se prosterne dans notre chambre et qu'on adore Dieu. Aimer Dieu, c'est d'aimer celui qui est auprès de toi. De lui manifester ton amour. Show your love to him. Cette personne qui est visible. The physical one. C'est ça l'amour de Dieu. Here is the love of God. Mais ton prochain, mais tu ne l'aimes pas. Your neighbor, you don't et toi, like. Tu dis que tu aimes Dieu. And you say you love et God. Tu es méchant. You are wicked. Une personne méchante ne peut pas prospérer. Cannot prosper. La Bible dit que le méchant amasse pour le the juste. Ça veut dire que quand tu es méchant, quand Dieu t'a béni, tout ce que right. tu as n'est pas pour toi. Whatever c'est quelqu'un qui viendra prendre un jour dans ta main. Take it from you. Dis avec mon Seigneur, enlève la méchanceté dans mon cœur. Say, Lord, take away the wickedness from my heart. Touche quelqu'un, il faut dire, enlève la méchanceté dans take mon cœur. Take away the wickedness from my heart. Et toi, tu es en Europe. You are in Europe. Et tu n'es pas prêt que ta famille, même tes propres soeurs, aient ton numéro. Even your own sister quand on donne ton numéro à quelqu'un, ça te fait mal. Even parce que pour toi, on va t'appeler pour te demander they'll l'argent. Call you to ask for mais money. Si on te demande l'argent, ça if fait ask you of money, what is the problem? C'est parce que tu es la personne qui est bien placée if qu'on you demande. You are in a good position. C'est à Joseph qu'on peut demander à manger. Joseph, parce que son nom veut dire achoute ton corps. Mean,
add more. Il y a des gens qui sont nés pour demander. Il y a des gens qui sont nés pour donner. La Bible dit, il y a mieux qu'à donner qu'à recevoir. Je prophétise sur ta vie. Je dis, je prophétise sur ta vie. Je déclare que tu fasses partie des personnes qui sont nées pour donner. Moi, je n'ai rien. Même les réunions de famille, tu évites parce que tu es méchant. Because you are wicked. Il y a des gens comme ça. There are people like that. Ah non, moi je suis pas bêté, hein. Yeah, oh. I'm not. Toi, tu es quoi? Tu es européen? Tu es normal? Are you? Réunion même de famille. In a family meeting, you don't go. Et ça, c'est la méchanceté. Big wicked. Et c'est ces gens de personnes à demain quand ils décèdent. When they die. On t'enterre seul. They bury you alone. Et tu vas partir comme ça? And you go like that. Comme tu es méchant. Since you are wicked. Tu vas aller comme ça. You go like that. Il y a des personnes qui décèdent, on ne veut même pas souvent qu'elles aient corps rentrent au village. Parce qu'ils ont été riches sur cette terre. Ils n'ont rien fait pour quelqu'un. They did nothing for somebody. Il ne faut jamais te décourager de faire le bien. Never be discouraged to do good. Celui qui fait le bien là, n'attend rien en retour. Doesn't... Je te dis quelque chose. Amen. Tu aides des personnes. You have people. Que ces personnes deviennent ingrates, c'est pas grave. They should be ungrateful. Dieu qui est dans le ciel sait qu'un jour tu as fait quelqu'un. You... Et le jour tu n'es plus sur cette terre, you are not, il y a des personnes inconnues qui viendront aider tes enfants, les peuples comme tes propres enfants, à cause de ce que tu as semé. Je parle à quelqu'un. Amen. Non, moi, mon papa, là, il y avait beaucoup de personnes chez lui. My father, il a aidé beaucoup de personnes. Mais house. Quand papa est mort, on n'a pas died, vu quelqu'un. We didn't see anybody. C'est vrai, tu n'as pas vu It's quelqu'un. True, you didn't see anybody. Mais Dieu était présent. My God was there. Je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. C'est à cause du bien ton père a fait hier. Aujourd'hui, father. Dieu ne t'a pas laissé. God did malgré la méchanceté there's des gens, tu gagnes people. Toujours quelque chose à manger. Always tu gagnes toujours quelque chose à faire. Tu gagnes toujours quelque chose à t'habiller. À cause de ce qu'il a semé. C'est ça le point essentiel. C'est ce que tu dois regarder. This is what you have to look at. Je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Troisième point. The third point. La vengeance. Vengeance. Il y a des gens qui ont l'esprit de vengeance. Some people have a spirit et of vengeance. C'est ce qui a détruit Mephibosheth. What destroyed Mephibosheth? Il était David. Where was David? Mais pour lui. For him. Comme Saül est mort. Since Saül died. Jonathan est mort. Jonathan died. Lui fait partie de la famille. He belongs to c'est a family. Lui qui doit prendre le trône. He have to take the et throne. Pourquoi Dieu prend le trône? Where God took the et throne? Donne ça à qui? And give it to à David. To David. Dieu bénisse ta semence. May the Lord bless your seed. Pourquoi il donne ça à David? Why give it to David? Pourquoi? Why? C'est dans son cœur. Is it his heart? Il a la vengeance. He has a vengeance. Comment est-ce qu'il va faire? How will you pour do? Pouvoir le tuer. To kill him. L'esprit de vengeance n'arrange rien. Can never solve any problem. Amen. Amen. Dieu dit à moi la vengeance. To me, à moi la rétribution. And a retribution. God said it. Je parle à quelqu'un. Amen. L'esprit de vengeance faut pas laisser ça dans ton cœur. Casting il y a away des gens qui sont là comme ça. Some people are like that. Comment il médite le mal? Meditate evil. Comment il le fait? Je dois lui rendre ce qu'elle m'a fait. I want to give back what he did to me. Dis Seigneur, lave mon cœur ce matin. Say Lord, clean my heart. Non, touche. Faut dire Seigneur, lave mon cœur. Lord, clean my heart. Dieu encore lave mon cœur. Lord, clean my heart. Et il y a des gens souvent ils sont dans les églises là. Some people are in a church. Et il était dans une église. Where they were. Il était frustré par un pasteur. Were frustrated by a pastor. Quand il vient dans une autre église. He came to another church. Comment il va s'arranger pour un? How you c'est que l'autre pasteur lui a fait. What the other pastor did to him? Quand tu fais. When you do. Est-ce que c'est utile? Is it useful? Touche quelqu'un, faut lui demander est-ce que c'est utile. Is it useful? Dis-moi, dis, faut dire la vengeance, est-ce que c'est utile? The vengeance is it useful? Dis encore la vengeance, est-ce que c'est utile? Is it, vengeance is it useful? Ce n'est pas utile. It's not useful. Amen. Amen. Même quand t'as blessé. Even when they hurt you. À pardonner. Learn to quand tu rentres dans ta chambre when go to et your tu te répands souvent and you repent, Seigneur pitié de mes péchés Lord, have mercy est-ce que tu sais pourquoi Dieu ne te pardonne pas do you know why parce que toi-même là tu God n'es pas prêt à pardonner because you are c'est ce que la Bible dit en Matthieu notre Père qui es aux cieux our Father in heaven, que ton nom soit sanctifié may your be que your ton name, règne vienne may your que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pardonne-nous quoi nos péchés comme nous pardonnons aussi others. À ceux qui nous ont mais celui-même que tu as offensé là celui-même qui t'a offensé là toi tu le vois. You see him. Mais tu n'es pas prêt pour lui pardonner. You are not ready to forgive him. Et c'est celui qui ne te voit pas qui va te pardonner. Il ne peut pas. You don't see him cannot. Is he going to forgive you? Je parle à quelqu'un. I'm not talking to somebody. La vengeance. Vengeance. Ça doit quitter votre cœur. To leave your heart. Mais il y a même des femmes. There are women. Elle a vécu un homme. Live with a man. L'homme a profité d'elle. Man profit. Ils se sont séparés. They were separated. Elle a rencontré quelqu'un. She met another ils sont mariés ensemble. They got married. Mais elle est dans le foyer là. She went home. Elle est sur ses gardes comme she ça. You like that? In alert. Elle est comme ça. Is like that? Pour rien. For nothing. Elle est prête à attaquer. She's ready to pourquoi? Attack. Why? À cause de ce qu'elle a vécu. Because what you experience. Mais c'est des choses que tu dois nettoyer de ton cœur. You have to clean. Yeah, l'autre peut être mauvais. The other mais les mêmes jours de la semaine n'ont pas le même nom. Les jours de la semaine n'ont pas le même nom. Il y a lundi, il y a mardi, il y a mercredi. C'est comme ça. Il y a une mauvaise personne et il y a aussi une bonne personne que Dieu peut t'emmener qui va essuyer de là. Wipe away your tears. La vengeance. Vengeance.
Ce n'est pas bon. It's not just good. Touche quelqu'un, faut dire la vengeance c'est pas bon. Touche quelqu'un, faut dire la vengeance c'est pas bon. Somebody. Faut dire c'est des choses qui retardent. They are doing. Tu encore c'est des choses qui retardent. They are doing delay. Quatrième point. Fourth point. L'orgueil. Pride. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes? There are people, do you know that? Quand ils n'ont rien là. They have nothing. Ils peuvent même se coucher là. They can lie down here. Et puis tu marches sur lui. You walk on them. Ils parlent pas où? But doesn't talk. C'est pas ça l'humilité. That's not humility. Je parle à quelqu'un. I'm not talking to somebody. Tu peux tout faire. You can do everything. Et puis dans son cœur il dit. Inside he says. Ce que j'essaie en train de faire, ça n'a qu'à marcher seulement. What I'm doing is she work. Je vais avoir ma maison seulement. I should have my house. Elle va voir. She will see. Est-ce que vous savez que Dieu God, do you know il that ne sauce pas notre prière? He doesn't hear il ne sauce la pensée de notre the prière. The thought of our prayer. Je t'explique. I explain to quand you. Tu es là comme ça. When you are like that. Oh Seigneur. Lord. Je veux une voiture. I want a car. Donne-moi une voiture. Give me a car. Tu as fini de prier. You finish praying. Ok. Maintenant, toi mets dans ton cœur. Where's your in your la heart? La pensée qui accompagne. The thought going with si your Si Dieu plan, te donne la voiture. You God give you a car. Pour montrer aux gens que tu as. To show voiture. That you have a car. Pour te jouer les BCBG, to say, to show, garçon bon chic bon Jean, pour montrer que c'est toi. To make a show of, Dieu ne peut pas te donner. God cannot mais quand tu pries, when you pray, pour avoir une voiture, to have a car, parce que c'est utile, because it's useful, Dieu te donne. God grant it to you. Je parle à quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit vous priez, you pray, mais vous ne recevez pas, and you don't answer parce que vous ne savez pas prier. Because you don't know how to pray. Quand tu demandes quelque chose when à you Dieu, ask something to the Lord, ton intention, your intention, ta pensée, your thought, c'est quoi ta pensée? What is your thought? Tu es dans la maison. You are in the house. Tout ce qu'on me fait là, j'accepte. Whatever, mais quand je vais avoir chez moi, personne ne va aller. House, tu ne vas pas voir chez toi aujourd'hui. You not get of your own tu house. Vas rester là. 20 ans, 30 ans, jusqu'à avoir bab chez tes parents. With your own parent. Je parle à quelqu'un. I'm not talking to somebody. Quand Dieu te donne une bénédiction, when grant you, God grant you a blessing, ce n'est pas pour faire du mal à ton it's not to do evil to others. C'est pour partager. It's to share. Je parle à quelqu'un. Amen. Si le cœur est travaillé, if the work is, the heart is work, pourquoi faire 10 heures, 20 heures de prière? What 10 hours, 20 hours prayers? C'est quand il veut nous bénir. When he want to bless c'est l'état you, de notre cœur qui the regarde. State of your heart. David n'était pas quelqu'un qui priait pendant 10 heures de David was not somebody who prayed for mais 10 quand hours. Dieu entre dans sa famille, when God comes il dit c'est lui là que je veux. If the one I want, on dit mais voici les chamas qui sont grands. Voici les Eliab qui sont revenus. Dieu dit n'a pas besoin de grands Jesus et forts. Mais lui Dieu il regarde l'état de ton cœur. Je prie Dieu qui purifie ton cœur. Je dis à quelqu'un que Dieu nettoie ton cœur ce matin. Je dis à quelqu'un que Dieu nettoie ton cœur ce matin. Tu as beaucoup de projets à accomplir. You have many projects to fulfill. Mais si ton cœur est chargé, if your heart is la bénédiction ne peut pas venir. The blessing cannot come. Dieu t'a tout donné. God has grant you Dieu everything. T'a béni. God has il t'a donné you. L'élévation. He you il t'a donné la clé de ta réussite. The key of mais your pourquoi success. Tu n'entres pas? Why you il y a des choses they are things, qui sont comme des obstacles they devant toi. Obstacle l'état de ton cœur. Quand tu pries toujours, when you pray quand always, tu rentres dans ta chambre, when you go to la your prière room, que tu dois adresser à Dieu, ce n'est pas Seigneur bénis-moi. Seigneur donne-moi l'humilité. Give me humility. Donne-moi ta crainte. Give me your fear. Parce que celui qui a l'humilité, il a tout. He has everything. Vous savez pourquoi? You know why? Est-ce que vous savez pourquoi? You know why? La Bible dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Lord, la sagesse enseigne l'intelligence. Et l'humilité précède quoi? And la humility gloire. Before glory. Le quatrième point je veux parler. The fourth point I have to talk. L'orgueil. The pride. Touche quelqu'un faut dire l'orgueil. The pride. Il y a des gens qui manquent d'humilité. Some people lack pride. Et toi tu ne peux pas accepter qu'on te fasse des reproches. You cannot accept. Mais tu es toujours la personne prête à dire aux autres que ce qu'ils ont fait n'est pas bon. They are not good. Mais et toi-même qui te parle? Amen. Nous devons bannir l'orgueil de notre cœur. You have to cast away pride from your heart. Dis à quelqu'un faut bannir l'orgueil de ton cœur. Cast away pride from your heart. Dis à quelqu'un faut bannir l'orgueil de ton cœur. Cast away pride. L'humilité, c'est pas parce que quand on a rien, on sait s'abaisser. No, when you have nothing. L'humilité, c'est quand on a tout. When you have everything. Et aussi, on sait s'abaisser. You have to on accepte qu'on lui parle. You accept. C'est ça aussi l'humilité. That is humility. Comme c'est toi qui gères la famille. Since you take care of your family. Même quand tu fais mal. Even you do evil. On ne peut pas te parler. They cannot talk to you. Ça, ce n'est pas bon. It's not good. Je parle à quelqu'un. I'm not talking to somebody. Un homme a man doit être humble. You have to be humble. Dieu bénit ceux qui sont humbles. God bless those who are humble. Dieu élève ceux qui sont humbles. God raise up those si who are humble. Si vous voyez une personne riche, you see a rich person qui est très 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 orgueilleuse, who's so proud, ce n'est pas Dieu qui l'a béni. It's not God who bless him. Je parle à quelqu'un. I'm not talking. Quand vous voyez une personne riche, a rich person qui est très orgueilleuse, so proud, ce n'est pas Dieu qui l'a béni. God who bless. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. C'est elle qui enrichit. Quand Dieu a béni une personne, on le sent par les actes qu'il pose. You feel him through the action. C'est une personne qui est remplie d'humilité. Full of humility. Parce qu'il se souvient de l'essentiel. Because he remembers. Hier il n'était rien. Yesterday et Dieu a fait de lui ce qu'il and est aujourd'hui. So today. Il respecte son prochain. He respects parce qu'il sait que ce qu'il a. What he has, il peut laisser ça un jour he et partir. Can leave it one day and go. Mais petit agent, tu as marché sur tout le monde. You want to walk over everyone. Il y a un monsieur avant on l'appelait tonton l'agent. Somebody call tonton l'agent.
Même quand tu as tapé sa voiture. Even you touch his car. Il faut essuyer la poussière. You have to clean it. Quand il descend comme ça. When he comes down. Avec son âme. With his weapon. Nettoie. He's gone. T'entends l'argent. Il change de voiture tous change les jours. Cars. Mais un homme rempli d'orgueil. A man full of pride. Oh, la Bible dit. The Bible celui says, qui refuse les reproches. The one ses chemins sont issus de mort. The one who refuse, quand on ne peut pas te parler. Who have some reproach, la destination c'est quoi? When we cannot talk to you, your destination c'est la mort. Is death. Amen. Amen. Il faut accepter. Accept. Souvent des reproches. Some, accepte qu'on te dise que ce que tu fais n'est pas bon. People tell you that what you are doing is not good. C'est pas parce que tu es quelqu'un aujourd'hui qu'on not ne peut pas te parler. Not because you are somebody, we cannot talk to you. Dis à quelqu'un ce n'est pas bon. It's not good. Il y a des gens quand ils parlent moi. Moi, là, tu sais ce que j'avais dit. Do you know what it means? M, maladie. Disease. O, d'orgueil. A pride. I, incurable. Incurable. Maladie d'orgueil incurable. Moi, incurable, me dis pas ça. Moi, me fais pas ça. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Mais tu es qui? Poussière, tu es. Poussière, tu vas retourner. That's you come back. Il y a des gens souvent tu les vois habillés. You have seen people dressed. Ils n'enlèvent même pas le prix sur son vêtement. Il remove the price. On s'en fout du prix. You don't take. Et là, c'est nous qui portons. C'est toi qui portes. Is you wear it? Maintenant, qu'est-ce qui prouve même que tu as payé en magasin? What proof that you wear in a shop? Quelqu'un m'a pas dit amen. Amen. Il y a des gens souvent quand c'est des vacances. Like holidays. Ils s'organisent comme ça. You organize it like that. Pour payer des choses de marque. All those things. Et pour aller en Afrique. Go back home. Pour marcher devant les gens. Walk with people. Les gens ont faim et ils s'en foutent de ta marque que tu as porté. They don't care. C'est quand tu portes là le prix là, c'est toi the qui connais. Only nous, you know it. They don't care it. La réalité c'est ça. That's the reality. Qui a dit amen? You say amen. Et moi là, moi je porte que du Vuitton. Only. Et puis on va faire quoi? Then what can we do? What are we going to do? Dis à quelqu'un, on fait rien ça. We do nothing. Touche quelqu'un, faut lui dire, on fait rien ça. Touche quelqu'un, faut lui dire, on fait rien ça. Ce n'est pas important. It's not important. Et tout ça, c'est de l'orgueil. A pride. Amen. 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 Il y a une fille qui a fait don à son pasteur. A woman a gift. Le pasteur dit, la montre qu'elle ne porte pas haut. He said, I don't wear it. Qu'est-ce que tu m'as bien regardé? Look at me. Elle est venue à ma réception. She came to my elle reception. Dit, papa, tiens, montre. Elle dit, donne-moi. Give it to. Ce n'est pas le prix là qui it's rend beau. Price. C'est celui qui porte là. Quand on voit si ça met. Et puis on dit, quelqu'un m'a pas dit amen. Amen. Mais il y a des gens souvent à cause de l'orgueil. Because of the price. S'entête même pour faire plaisir aux gens. Est-ce que vous savez ça? You know that. Amen. Amen. Ils vont aller prendre même des prêts. They can take debt. Et quand on t'a payé là ton salaire, c'est loan. Déjà crédit, c'est déjà parti. Is it loan? Your salary go to Weston. Pay debt. Toi, mais tu touches 1500 euros. You have mais tes chaussures, tu portes là. 600, 700. Shoes, 600, après, tu as dit que 600. Non, c'est des attaques. Non. It's not, you say attack. C'est l'orgueil qui fait ça. It's pride. L'orgueil est capable même de t'amener à ne pas même aller t'habiller dans les. Comment vous appelez you. De la veine. Amen. Amen. Hey, écoute-moi bien. Souvent là. Most of the time, souvent, il faut faire flash. Sometimes. Je parle à quelqu'un. Mais ta soeur a loup boutin. Qu'elle porte comme ça là. Ka. Tout le monde dit, hey, c'est la marque. Tu peux même aller payer pour toi-même à Jennifer. En bas est rouge. L'intérieur là. Si mon regard, hein. En bas est rouge. Et puis l'intérieur est Jennifer. Mais quand tu fais ka, on sait qu'on voit rouge. Qui peut regarder tes dents pour dire c'est pas ça? Quelqu'un m'a pas dit amen fort. C'est amen. Nous tous on est habillés. Oui, on est adressé. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça? Non, attends, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Pourquoi aller s'endetter pour s'habiller cher? La vraie richesse que Dieu a donnée à l'homme, c'est d'apprendre à vivre mieux avec le peu qu'il a. C'est ça. That's the true richesse. Apprendre à vivre mieux avec le peu. Le peu que tu as là. Toi, tu apprends à vivre mieux avec ça. Tu es en paix. Tu es à l'aise. Tu n'as pas de problème. Souvent, tu es là, tu trembles comme ça. Quand le signe arrive, tu sais que. Il y a des trucs que tu as pris à crédit. Maison n'est pas payée. Et c'est normal. Is it normal? Il y a des chrétiens qui n'aiment pas payer maison, mais ils s'habillent mieux. They c'est pas bon. They don't like to pay house rent. Et ça, on insulte ton Dieu. Tu as vu encore, Seigneur, mon loyer, ils vont me chasser. Yeah. Pasteur, prie. Lucie arrive. Mais l'argent, là, tu as mis ça où? Oui, man, where did you put it? Je parle à quelqu'un. I'm not talking et ça, c'est l'orgueil qui crée ça. That's pride. Tu n'acceptes pas ce que tu es. You don't tu veux ressembler à l'autre. You want to look like others. Chacun a son temps. Everybody has celui que time. Tu vois dans les grosses voitures en train de conduire. Est-ce que tu es là quand il dort? Do you know where he's sleeping? Vous connaissez Green, non? You know numéro réseau Green. Green. Qui se rappelle de ça? Le premier DG, c'était un Béninois. The first one. Nous, on va te prier pour lui. We're going c'est to que je n'ai pas compris. What I didn't understand. Pourquoi il insiste les jeudis? Why? Et quand on arrive jeudi à partir de minuit, well, midnight, même bébé, even baby, est dans, comment vous appelez là?
Non, non, non. C'est un nom à Abidjan, là. Comment on appelle ça? Laissez votre affaire des transats. On est ivoirien, là. On est africain. Non. Où on lave les enfants, là? Mipa. Sur mon regard. Amen. Mipa, là. J'ai dit à minuit, même midnight, le bébé, il est dans l'eau. Is in water. Tout le monde est là. Everybody maintenant, is. Il met baffe là quand tu entends les bruits là. When you hear the noise, tu peux pas dormir. You cannot sleep. Parce qu'en réalité, son alliance, his covenant, il avait donné la nuit du jeudi. He gave a night of donc, il ne doit Thursday. Pas dormir. He should not sleep. Et il se déguise au milieu de nous comme c'est un bon chrétien. He disguises on, among donc, us as a baby. Engrais, we are praying for him. Quand on est en train de prier, when you are et praying, il donne l'argent aux policiers là. He gave the police people donc, money. Bruit, fait, that matter of the noise, même les rivières se plaignent, ça ne va pas. People complain, parce qu'il est incontournable. Because et on est là, on prie. On finit de prier. We begin to et pray. Il met des enveloppes en bas. Give envelope, we go. Toujours. Always, always. Un jour, mon père spirituel a dit, attends. One day, my spiritual father said. Le gars là, c'est tous les jeudis, on va là-bas. All the Thursday, we go there. Il faut qu'on prie avant de partir. We have to pray. Quand on finit de prier, je fais un rêve. We had a dream. Dans le rêve, le monsieur, the man, je n'ai jamais vu ses cheveux physiquement. I never see his hair. Il a vendu un sa chevelure. Even he said, deuxième, he showed it. La nuit du jeudi. The night of Thursday. Et la nuit, là, quand ça arrive, il dort, il peut mourir. If he sleep, he can die. Mais regarde ses voitures. Look at the cars. Regarde sa maison. Quand look tu rentres, tu dis, waouh, c'est ici Dieu vit. He said, God live here. Abidjan, quand tu arrives, et puis la porte là, maintenant. With, on dit, does, présentez-vous. Present yourself. Je suis le visiteur. I'm a visitor. And the gate is open. Les maps partout. Le monsieur n'a pas la paix du cœur. He doesn't have peace of heart. J'arrive là avec mon père spirituel. I look there with my spiritual. Et puis on assis devant lui. And we are there. Mon père spirituel lui dit. My spiritual pastor. Mon fils, il y a des choses que tu dois confesser. On va prier pour toi. You have to confess. We pray for you. Là où on était là. There we are. Il nous a chassé d'abord. He cast away. He sacked us. Deux semaines. 2 weeks. On ne vient pas chez lui. We don't come to il him. A pris d'autres pasteurs. Took other pastors. Le juif vient appeler mon père spirituel. The day he called my spiritual sa mère a commencé à pourrir. His legs were, his hands were rotting. On envie souvent des gens. You envy some people. Pourtant, le bien qu'ils ont là. The good they have. Ils l'ont mal acquis. They got it in the wrong way. Je parle à quelqu'un. Amen. Accepte ce que tu es. Accept who you are. Aime-toi. Help yourself. Aime ce que Dieu t'a donné. Love yourself. Et tu verras ce que Dieu va faire dans and ta vie. See what God will do. Il y a des gens, ils sont grands, prospères. Some people are great. Ils n'ont pas la paix du cœur. They don't have peace of heart. Or toi, Dieu t'a donné la paix du cœur. God gave you a peace of heart. Tu peux dormir. You can sleep. Tu es en paix. You are happy. Même si un mari de nuit te poursuit, tu lui dis toi là, cette fois-ci là, on a divorcé, il ne rentre pas ici. Mais quelqu'un avec qui tu allais faire alliance dans les eaux. Somebody went to make a covenant with water. You cannot tell him like that. Je parle à quelqu'un. Et somebody. Tout ça, c'est l'orgueil qui nous pousse. This one, all the pride push us. L'envie, on est envieux. Envy. L'autre a porté tel habit dimanche. That, tu ne sais même pas si c'est quelqu'un qui lui a donné. You don't know if somebody bought. Toi, tu t'arranges d'aller dans tous les magasins pour chercher le prix. All the shop you go there. Pourtant, mais ça ressemble à ça. Mais c'est même pas la marque que toi tu as acheté. It's not what you went to buy. Parce que tu es envieux. Because you are envious. Je parle à quelqu'un. I'm not talking to somebody. Faut dire, Seigneur, bannis toutes ces choses. Lord, cast away all those things from my heart. Et regardez comment Mephibosheth va perdre. Look at Mephibosheth. Et la grâce que Dieu lui avait donnée. The grace of God granted. David lui avait donné. David granted l'héritage de ses pères. The legacy of his fathers. Mais comme David est tombé, since David et Mephibosheth, and Mephibosheth n'a pas été reconnaissant. He was not grateful. À cause de son ingratitude. Because of his ungratefulness. David dit à Siba. David said to Siba. Et puis tout ce que j'avais donné à Mephibosheth, Lord, I gave to Mephibosheth. Faut les récupérer. Take them. Quand on est ingrat vis-à-vis de Dieu, when you are quand on n'est pas reconnaissant, when you are not grateful, ce que Dieu avait prévu pour nous, il récupère, you, il donne à une personne. It, voilà pourquoi la Bible dit, that's why même si nous les hommes on ne veut pas l'adorer, il va susciter des pierres pour l'adorer. Les pierres c'est quoi? Ce n'est pas caillou, hein? Non. Stone, quand on stone, parle de pierres, stone, et c'est des personnes people, insignifiantes but qui prennent de la boue, les élèvent et ceux-là commencent à l'adorer. Je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Dis Seigneur, libère mon cœur. Say Lord, set my heart free. Dis Seigneur, je vais être à ton image. I want to be at your image. Je refuse d'avoir la méchanceté en moi. I refuse to become wicked. Je refuse d'avoir l'ingratitude en moi. I refuse to be ungrateful. Je refuse d'avoir l'orgueil en moi. I refuse to have a pride in my heart. C'est quatre choses, c'est ce qui nous retarde. All those four things. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à être reconnaissant? Are you ready to become grateful? Qui est prêt? Who is ready? Je sais qu'il y a plusieurs ici qui sont assis. I know people, many faut are pas here. Dire seulement amen. Maybe au soir de ta vie, il y a des gens qui t'ont aidé. Some people help you. Il y a des gens qui t'ont fait. Some people made you. Il y a des maisons où tu as dormi. Yeah, where you slept. Et tu n'es pas en bon terme avec ces personnes. You are not in good way with faut them. Faut te réconcilier. Reconcile. Tu as la recherche de quelque chose. You are looking for something. Réconcilie-toi. Reconcile yourself. C'est pourquoi la Bible dit. That's why Bible avant de venir donner ton offrande. Before you come to give your offering. Qu'est-ce que la Bible dit? Bible il dit pose ton offrande et puis faut faire quoi? Put your offering there. Dieu c'est un esprit. God is a spirit. Et tu es venu à ta dîme, c'est dans ta poche. Your tithe, say, Dieu aime l'argent. God love money. Ton offrande est là. Your offering is there. Apportez à la maison vos dîmes et vos offrandes.
Quand il vient de déposer là, it, il dit va faire quoi? They go and reconcile yourself. Ça veut dire quoi? L'argent là n'a pas de problème. Mais problem. C'est toi qui es mauvais. It's you that has a problem. Je parle à quelqu'un. Amen. Pourtant c'est le mauvais qui a porté l'argent dans sa poche. We can't Dieu dit non. Money. Pose ton offrande. Put your offrande there. And go and reconcile yourself. Amen. Amen. Paul dit, it's up to il fera la paix avec tout le monde. He will be at peace with everyone. Je parle à quelqu'un. Amen. Il recherche la paix avec Seek tout le the monde. Peace with everyone. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis à quelqu'un, recherche la paix avec Seek tout le peace monde. With everyone. Touche ton voisin, faut lui dire, recherche la paix avec Seek tout le monde. Seek peace with everyone. Dis à ton voisin, faut lui dire, sois en paix avec tout be le monde. Be at peace with everyone. Amen. Amen. Si l'ingratitude est bannie de ton cœur, heart, et que la méchanceté est bannie de ton cœur, la vengeance heart, est bannie de ton cœur, l'orgueil est banni de ton cœur, je te promets une seule chose. One, tu n'es même pas obligé de faire 5 minutes. You are not ce que tu as adressé à Dieu, il what a déjà répondu. He has answered you. Dieu n'est pas là-haut. God is not in Dieu, il est en toi. God is in you. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, là, il est en toi. The Holy Spirit c'est lui, Dieu. Maintenant, si tu es en toi et que toi, dans ton cœur, tu as toutes ces choses que j'ai citées, comment est-ce que Dieu va te bénir? How God will bless you? Amen. 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 Comment est-ce que Dieu va te bénir? How God will bless you? J'ai prié pour une dame. I pray for a woman. Il y a un homme qui l'a aidé à venir en Europe. Man l'homme a tout fait pour elle. The man have done ils se sont mis ensemble. They were together. Et puis un matin, ils se sont séparés. One morning, we were separated. La fille a tout fait, voulait prendre la maison. She wanted to take the house. Elle est venue me voir. She came and see me. J'ai dit, tu n'as même pas besoin. You don't need it. Toi, tu étais quelque part. You were somewhere. C'est lui qui allait te chercher. He went to take il t'a ramené. He et Dieu ne veut plus de toi. He said, on you. Va prier. We will pray. On va prier Dieu pour que Dieu touche son cœur. God will touch que vous vous réconciliez. When you reconcile. S'il ne veut pas, if doesn't fais même pas de démarche pour prendre la maison. Don't make any... Il y a plusieurs coins qui ont fermé les vies. Some people are closed their eyes. Les jeunes filles là. The young ladies. Même les mamans. Even mama. Quelqu'un t'a pris là-bas. Somebody il t'a emmené. He brought you here. Et tu as des soeurs qui te disent, oh, your lui là, tu sais que tu peux le mettre dehors. You can put him out. Fais-tu le mettre dehors, on prend la put maison. We take the house. Quand tu prends la maison, we take the est-ce house. Qu'un jour tu vas pas laisser? Is it one day are you not going to leave it? Pourquoi on se bat pour des choses qui sont vanité? Why are you fighting for useful things? Amen. Amen. J'ai prié pour elle. I pray for her. Le monsieur veut sa maison, tu l'as trouvé. Laisse la maison. Pas de démarche. Take it. Fais 115. Go, on va prier. Go to 115. Aujourd'hui Dieu a fait. Elle a marié un homme, un Gabonais. She married. Il est petit détail, hein. Small. Mais il y a quelque chose qui là qui dépasse sa taille. Quelqu'un m'a pas dit amen. Amen. Dieu l'a béni. God has blessed him. Elle a payé maison ici. She bought house. A choisi le roi. And a choisi elle est dans pavillon. She's et tu voulais pas HLM. Comme tu as laissé. Since you left. À cause de ta reconnaissance. Because of your grace. Il t'a dit souviens-toi un jour. Remember. Il t'a pris quelque part. Took you from il t'a emmené. He brought même you si ça n'a pas marché. Il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas de combat. Prends ton chemin et confie ton chemin à Dieu. Le ciel va te bénir. Will bless you. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. God has blessed him. Il y a des choses there are things que tu dois laisser derrière. You have to leave it. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans you ta vie. See what God will do. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. Est-ce que tu as compris mon message when ce matin? Est-ce que tu as compris? Ne sois pas comme Mephibosheth. Like Mephibosheth. Sois reconnaissant. Be sois vrai dans tes relations. Ne marche pas avec quelqu'un pour ce qu'il a. Marche avec une personne pour ce qu'il est. Et l'Éternel te lèvera. On va tous se tenir debout. Et nous allons prier. Amen. Moving in our midst, I worship you, I worship you.